Bonjour à tous les amis, c'est Dark Angel 146. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de notre aventure Megaman X sur le Legacy Collection. Et on s'était arrêté donc après les 8 boss et quelques upgrades. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la fin. Hop, on va charger ça. Voilà, c'est bon, ça a chargé, parfait. Donc on en était arrivé à la forteresse de Sigma, on avait encore quelques upgrades à prendre et on va commencer tout de suite, on va faire les plus courts tout de suite. Hop, histoire de vous tous vous les montrer d'ailleurs dans la première vidéo, hein, dans la description comme je vous ai dit, je vous ai tout mis, toutes les infos. Enfin, du moins les niveaux et les faiblesses où se trouvent les e-tanks ou les armures. Les e-tanks, les armures et les faiblesses d'ailleurs. Faiblesse des boss. Alors ici on prend le cutter, quand on saute il descend et hop, et quand on vous tirez normalement il monte. Et d'ailleurs le pouvoir qu'on a récupéré, donc c'était celui-ci le dernier là, mort d'armadillo, est-ce que vous faites, voilà, contre les ennemis faibles c'est efficace parce que ça vous protège tout le temps, à part contre les gros comme ceux là, regardez là. Voilà, vous voyez, et vraiment les ennemis les plus faibles c'est super efficace. Par contre, vous pouvez pas tirer en attendant, quoi. Donc voilà. Donc quand vous avez fait un niveau, par contre, c'est comme d'habitude. Exit. Alors, celui-là, c'est fait. Il nous restait deux choses à récupérer. On a tous les e-tanks, du coup, et il nous manque, c'est ça, les deux barres restantes pour la vie. On va être full life. On va y aller au lance-flamme pour accélérer. Donc là on peut même y aller avec ça. Regardez, hop, les ennemis faibles, tranquille. On va pouvoir foncer comme des porcs. Ah merde, pas celui-là par contre. Ah si. Et ben voilà. Et vu, c'est efficace. Là par contre c'est fini. On n'est plus très loin. Voilà. Alors c'est pas celui-là il me semble. Si, voilà. Faut absolument l'arme de feu. Donc voilà, ça c'est terminé. On n'a plus rien à y faire. Il ne nous reste plus que le boomer Kuwanger. Super chiant aussi. On va y aller avec ça, ça sera plus simple. Oups, j'ai tenté de faire le fou. J'ai eu tort. Ah zut. Et voilà, on n'est plus très loin. Vraiment pratique sur ce niveau ce machin. Ah
En fait, je suis un idiot, j'aurais pu le faire depuis le début, maintenant que j'y pense. Je vais tester un truc pour voir si j'aurais vraiment pu le faire. Mais... toi, tu m'emmerdes. Voir juste si j'aurais pu le faire. Bon, en fait, j'aurais pu l'avoir tué le début. Je crois que j'avais tout en plus. Non, je l'avais pas, attendez. Non, bah non, j'ai fait le fameux mode. Obtenir tous les cœurs et augmenter la jauge d'énergie de X au maximum du cœur à l'ouvrage. Merci. Ok, on a tous les éléments. On a 5 minutes de vidéo seulement et on a déjà tout. C'est parti, on fonce vers Sigma. Vers l'histoire principale. Donc Zero nous a retrouvé pour dire qu'on allait vers Sigma et c'est là. Séparons-nous, très mauvaise idée. Ok, j'y vais premier, ensuite tu pourras te faufiler pendant que je garde le système principal de défense occupé. Je m'occupe du système principal quoi. Alors, on va y aller à ma manière. Va te faire. Je préfère souvent escalader la montagne, moi. J'ai pas trop escaladé ces plateformes, moi j'escalade souvent à droite. Vite à tuer le fou. Allez, on y va. Mais bouge de là. Un instant. Excusez-moi. Alors, reste à l'arrière 10X, je m'occupe de lui. Ça va chier. Parce qu'on entend, il y a eu du dégât. Et là, c'est le moment dramatique de l'histoire. J'adore. Merde. Donc en gros, il dit voilà, c'est t'occupes plus de lui, c'est l'histoire ancienne, et ne l'écoute pas. Défonce-le, quoi. Ne rêve pas trop, Zéro. 10, c'est qu'il ne peut pas me vaincre. Allez, tu vas voir, toi, si je peux pas te vaincre. Et bouge! Mais c'est sérieux! J'ai envie de m'amuser, je vais le défoncer. Allez, vas-y! T'en mets du temps, hein. Et zut.
Bouge de là. Et là, ce héros. Ce héros, il est magnifique, ce zéro. Un vrai héros. Peut-être, mais je ne suis pas encore vaincu en gros, quoi. Non, pourquoi tu te sacrifies? Ah, quel geste désespéré. Je ne peux pas être vaincu si facilement. Et bien sûr. Alors dis, c'est juste toi et moi maintenant. Oui, bien sûr. Alors, d'où venait cette énergie? Bien sûr. Ça ne fait plus rien maintenant. Combien d'énergie tu peux absorber, 10 X. Tu es toujours faible. Prépare-toi à être terminé. C'est pas Terminator, mec. Donc lui, sa faiblesse, c'est les missiles de homing. Mais on va pas le faire, hein. On va le défoncer à la normale. Hein. Eh, putain. Eh, par contre, tu me saoules, là. Tu rêves. Et merde. J'ai vraiment du mal avec les touches, ça me saoule. Crevez. Et merde. T'ai eu. Je t'ai eu. C'est pas facile avec une manette, mais je t'ai eu, cette manette c'est de la merde pour ce jeu, les touches sont trop rondes et trop éloignées. Je l'ai déjà dit, et je l'ai eu. Non, Zéro, ne meurs pas. Ish, j'ai subi trop de dégâts. Le système d'auto-réparation, enfin de réparation ne peut pas s'en occuper. La puissance est en train de diminuer de plus en plus. Oh, ta puissance est plus forte que je ne pensais. Peut-être que tu peux détruire Sigma. Allez, c'est parti. On va se faire le petit Sigma là. Alors, par contre là, vu ma santé. J'en ai pas besoin, ça c'est sûr, parce que regardez, hop. Hop là, je passe tout. Et là par contre, je vais me faire avoir. Oh la chance. Liquide. Oh, c'était limite. Et là, on va se refaire tous les boss du jeu. Sur 3 niveaux, parce que du coup il y a 4 niveaux chez Sigma. Sur 3 niveaux, on va se les faire vite fait. Hop là, allez, viens mon chéri. Olé. Oh merde, il a failli me tomber dessus du coup. Connerie. Et merde. Oui, là je vais me permettre d'utiliser les faiblesses des ennemis parce que franchement, bon. Et puis à ça près. Arrête de me tomber dessus, tu me saoules.
Allez. Allez, une araignée géante, la faiblesse, c'est la glace. Alors vous voyez, elle suit forcément le trait. Au bout d'un moment, elle tourne automatiquement. C'est-à-dire qu'elle prend tous les traits. Hop, c'est ici. Hop. Toutes les bifurcations. Là-bas. Merde, j'ai mal calculé. Ma faute. Tranquille. Merde, j'ai vu venir en plus. Punaise. Elle accélère de plus en plus, donc c'est vraiment super chiant. Là. Je vais t'avoir. Et zut. Je sais pas pourquoi je le savais en plus. Tu me fous la paix. Voilà. Allez, deuxième niveau. Donc les armes sont chargées, c'est super. On commence avec Chill Pingouin. Regardez, lui ça lui fait un effet aussi d'ailleurs. C'est le premier boss qu'on a fait, mais ça lui fait quelque chose. Hop. J'aime pas ça mon coco hein. Alors c'est plus de défendre. Et là, donc ça fait... C'est le deuxième boss combat, il en reste 6. Toi tu me fous la paix.
Je les aime pas ceux-là. Alors... Hop, ça c'est fait. Storm Eagle. Allez hop, on continue. Eh t'abuses mec. Ah, je suis déjà au boss, ça veut dire qu'il reste 5 dans le dernier niveau, je m'en souvenais plus. Le boss, bah de toute façon c'est ce truc là. On va le battre quand même au blast, au buster quand même. Allez, donc c'est, il aime pas les stings de toute façon. Si je touche, les pics en bas, c'est fini. Hop. Oula. Merde. On va voir si je continue. On va aller en face. Et pourquoi j'ai sauté? J'avais juste à glisser. Dommage. Je vais vite passer au milieu en fait. Je le sens. Bon allez, on prend des risques, allez. On est des fous. Ah merde, c'était celui-là. Moi la paix. Voilà. Ça le problème, si on détruit le, on va dire le nez, vu que ça ressemblait à des yeux et un nez ou une bouche. Si on détruit ça d'abord, on est coincé avec les pics et on se retrouve à dégommer les yeux. Comme ça. Mais bon.
Allez, plus que deux niveaux. On continue, on reclique sur Sigma. Donc là, il nous reste 5 boss à faire aussi. On va les enchaîner. On commence avec Armor d'Armadillo, je crois. Ouais, je te dégomme. Voilà. Ah non, je crois que c'est Sting. C'est ça. Le caméléon au cutter. Cutter, 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 cut. Il va être très rapide. Regardez, hop, hop, hop. Ah, oh, c'est fini, il est coincé. Il est pris dans ma toile, comme on dit. Viens là, petit caméléon. Eh, t'es sérieux toi? Là. Et voilà. Ouais, tout de suite on passe au mandrill. Je me souviens encore, hein. Si tu veux. Raté. Excusez-moi, j'ai éternué. J'ai dû faire la pause. Ah. Ah, c'était facile, hein. Franchement. On va passer à Launch Octopus. Il m'a même pas bouffé, il m'a carrément... Faut qu'il me chope. Tu tires comme une merde. Il doit rester qu'un seul là. Alors, il nous reste lequel d'ailleurs? Flamme mammouth. Alors là, j'ai une bonne mémoire. Il faut ça. Et voilà. Le dernier. Je vais lui recouper la trompe. Ça m'amuse. Je vais voir ce qu'il... Hop. Vas-y, relance-moi tes machins. Les détritus, là. Pas normal, voilà. Il... Et voilà, il peut aussi changer de sens avec sa trompe. Change de sens et il balance des détritus pour me ralentir.
Alors si tu le fais pas, moi je t'attaque. Hein. Et vas-y, je vais te cutter à mort. Vas-y, viens là mon gros, saute. T'as pas envie? Bon, allez. Et enfin donc, le boss de ce niveau. Il se bat avec le cutter, mais on va le faire sans comme d'hab. Ah, il est assez violent lui. Oh, il accélère d'un coup là. Ça va être compliqué. Et laisse-moi tranquille. Oui, quand je vous dis qu'il accélère. Voilà pour rigoler. Oh punaise. Oh non, je l'avais. Ah c'est... Ah si seulement j'avais la manette Super NES, ce serait beaucoup mieux là. Bon, il me fonce dès là. Je vais réussir à m'avoir. C'est bon, je l'ai. C'était chaud, mais c'était bon. Et enfin, on arrive au boss final. Même pas vu ce que j'avais en e-tank. Et le problème, c'est que avant, j'en avais un plein sur la partie que j'ai fait. Mais comme quand j'ai voulu sauvegarder, le jeu a planté. bah du coup j'en ai plus. Bah écoute, on va s'en faire au moins deux. Deux e-tanks pour moi ça devrait me suffire. Ça c'est la méthode pour se pomper. Ah c'est bon? Non. Allez. Petit dernier. Parfait, on y va. Croisons les doigts. Alors, faiblesse. Boss en trois phases, bien sûr. Boss final, hein.
Alors, bienvenue, je vois que tu as réussi à venir ici par toi-même. Très impressionnant, mais tu m'étonnes. Je pourrais te détruire, mais je ne voudrais pas voler. Je ne voudrais pas voler ce plaisir à mon chien. Mon animal. Il sait comment se comporter avec les traîtres. Dois-tu vivre? Je t'attendrai. Ne me déçois pas. Bien sûr. Ah, par contre, il est chiant son chien. Oh punaise. Elle est vraiment chiant par contre. Avec les attaques de fou qu'il a. Punaise, mais dégage. Ah. Faiblesse du chien, c'est la glace. Hein. Hop. Et voilà, et là, on passe à Sigma. Excellent travail, 10. Je vois pourquoi j'ai zéro compté sur toi. Tu es aussi bon chasseur que je l'étais. Enfin, un bon hunter que je l'étais. Le temps de ta destruction est arrivé. Tu vas regretter de m'avoir défié, mais vas-y. Faiblesse, électricité. Mais bon, alors. Ça va prendre du temps, par contre, ça va être chiant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ça le baisse de 1 en plus. Si c'est trop long, par contre. On va essayer quand même. On va essayer de tous faire au buster. Même le dernier boss. Attends, il va être violent, le dernier. En fait, je vois pas pourquoi je charge. Allez, viens me rejoindre, vas-y, avec ton sabre. Viens là, mon petit Jedi. Oh, mais pourquoi je fais ça? Je fais de la merde. Ah, j'ai fait de la merde, c'est ce que j'ai dit. Allez, on fait plus le con. Cette fois, on l'achève. Est-ce que j'ai toujours mes e-tanks? Ah oui, ça va. Ah mais comme je vais tout faire au buster, je vais peut-être en prendre un troisième en fait. Le buster il va être chaud. Quand tu veux. Peut-être monter le dernier pendant que j'y suis. Hein. On est plus à ça près. Je devrais pas en avoir besoin, mais bon. Et putain, via gogo là. Et allez, c'est la fête, hein. Oh là, oh là. Ouais, je vous laisse. Dernier. Mais il est sérieux, 7 vies quoi. Allez, on y va. Allez, on reprend, on le défonce. Après, c'est bizarre, il y avait quand même des... C'était quoi les vignettes là, qu'on avait vu là, que je vous ai montré dans la première partie là, les trucs. Il y en avait des points d'interrogation, là, on avait 5-6. Faire ta fête. Oh.
Hop, à l'arrêt. Dernier coup, t'es foutu. Et merde. Voilà. Et tu vas pas m'avoir longtemps. Je compte bien garder mes e-tanks jusqu'à la fin. Et merde. Il m'a mis un coup de sabre au laser. Eh bien. Viens mon coucou. Tu fais le con. Je fais le con, je fais. Putain mais. Et je suis deg. Mais pourquoi il saute déjà lui? Là saute, vas-y banane. N'importe quoi en gros. Ce qui me semblait, ça ne fait rien en santé, hein, Sigma. Ça ne lui fait rien. Allez, remonte. Espèce de larve. J'aime dire qu'est-ce que ça, t'es bloqué ou quoi? Encore 5 fois. Arrête de bloquer là, c'est quoi ton délire? Et voilà, tiens. Allez, boss final. Celui-là il fait très mal. Sa faiblesse, c'est le shield. Et le seul moyen de le toucher autre que le shield, il n'y a aucune arme qui est efficace, c'est de charger notre attaque en rose. Je crois que ça lui fait que un dégât en plus. Oh punaise, c'est ça. Voilà. Et merde, arrête de m'embêter là. On fait du dégât. Il fait mal. Et vas-y. Et zut. Ça va pas être facile en fait. Ah, je suis obligé de finir au shield. Et sérieux, je me prends des dégâts. À l'époque, je prenais autant de dégâts à l'époque. Non. Écoutez, on va devoir le finir au shield. Tant pis. Mais. Ça lui en tire que deux. Ça va être serré. Ah punaise! Je pensais qu'il bougerait sa main de merde. Bon allez, tant pis, on achève le niveau les amis. On se fait ça tranquille. Là ça va passer, tant pis. On se prend juste un e-tank, ça suffit, un seul.
Mais vas-y. Mais d'où tu me touches, toi? Allez, viens. Ça devrait le faire. Ah, si tu commences comme ça, par contre. Merde. Non, t'arrêtes pas. Voilà. C'est fini comme succès. Vaincre Wolf Sigma. Non, ce n'est pas possible. Je suis un Reploid. Je peux pas être détruit par toi. Rodis, pourquoi nous as-tu fait ça? Sans les humains, mes frères Reploïdes. Aurait pu vivre un nouvel âge. Nouvelle vie. Voilà. Fin de cet épisode X. La guerre est terminée et la paix a été restaurée, mais ceux qui se sont sacrifiés pour la victoire ne reviendront jamais. Épuisé, 10XX, songe à la destruction dans laquelle il a participé et se demande pourquoi il a choisi de se battre. Y avait-il une autre solution ? Se tenant debout sur la montagne, les réponses semblent lui échapper. Il sait seulement qu'il devra combattre les Mavericks à nouveau avant de trouver ses réponses. Combien de temps combattra-t-il? Combien de temps durera cette paix? Peut-être que seul X-Buster sur ses mains le sait.
Voilà les amis, fin du jeu. J'espère que vous avez aimé. Franchement, le jeu n'est pas très long quand on connaît bien le jeu. Comment, et encore j'ai fait des erreurs, hein. Franchement j'ai pris mon temps, j'y suis allé au buster. J'ai quelques soucis de contrôle, franchement ça va être embêtant par contre pour les deux prochains parce que je suis pas à l'aise du tout sur les deux suivants. Mais sinon voilà, si on connaît bien les passages, qu'on utilise tous les secrets et tout, franchement ça peut être vite fait, en une heure il est torché. Hein. Mais à l'époque c'est vrai qu'on connaissait pas le jeu, même encore maintenant on peut mettre plus de temps que ça. Ouais bah écoutez, moi je vous laisse sur les crédits. Et bah, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain Megaman, donc le Megaman X2. Et je crois que je vais en chier, je vous le dis direct. Je ne suis pas du tout à l'aise avec le 2. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à aimer la vidéo et à la partager. Et puis voilà quoi, bah, écoutez, moi je donne rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien les amis, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye! Et oui, ce n'est pas fini. Tu as gagné une victoire temporaire 10. Mais est-ce que tu as détruit simplement un corps temporaire? Je trouverai d'autres corps beaucoup plus puissants pour faire mon retour et je vais te montrer bientôt 10.